Revolutionary projects often spring from revolutionary minds. People who see things differently. The European Union is the world's most successful peace project. But how did it all start? Who were the visionary minds that started turning the dream of peace and European unity into reality? J'ai entendu parler de Jean Monnet pour la première fois aujourd'hui. Je connaissais pas. Avant qu'on en parle en cours, je connaissais pas. Je connaissais pas Jean Monnet. At the moment when Europe was divided and destroyed by war, Jean Monnet worked relentlessly for the reconciliation of an entire continent. His ideas inspired the Schuman Plan, which merged the coal and steel industries of six countries, creating the first European community and paving the way for the European Union we know today. Jean Monnet dedicated his life to establishing unity and peace in Europe. Monnet, c'était un homme sans complications, pas prétentieux pour deux sous, mais qui savait très bien ce qu'il valait. Jean Monnet, il était très simple, très gentil, c'était l'homme intelligent qui savait se... D'ailleurs, ce qui est drôle dans le... Je vais vous raconter quelques anecdotes quand même de Jean Monnet. À la fois proche et distant, comme il était lui-même, il était... très doux, très proche des gens quand il parlait avec eux, et distant parce qu'il avait quand même, il diffusait une impression, une stature qui, même lorsque j'étais petit, je la ressentais. En 1945, Jean Monnet rentre des États-Unis après la Deuxième Guerre mondiale, après avoir joué un rôle clé dans le fort de Guerre. Il veut s'installer près de Paris, mais aussi il veut être à la campagne pour pouvoir travailler tranquillement et suivre l'actualité internationale en même temps. It was here by the fire at his home in the tiny French village of Ougaret that he liked to talk with journalists and editorialists about Europe's future. Here, he was surrounded by family as well as by a group of highly determined people. His working method was different from conventional politics. Each day, he walked through the surrounding countryside, talking to guests and people he met about his ideas. Et ce n'est pas par hasard qu'il est arrivé ici. Ils avaient passé quelques années à Washington. Et Monnet a toujours marché le matin, mais à Washington, il a vraiment commencé à développer cette routine de ses marches matinales qui lui permettait de distiller ses idées et de les clarifier, qui l'aidait vraiment à réfléchir. Et il disait parfois, je réfléchis avec mes jambes. Et il ne manquait pas de s'arrêter pour discuter avec ceux qu'il croisait sur son chemin. Des simples citoyens, un agriculteur, un commerçant, un jeune qui se rendait à l'école. Et Jean Monnet, finalement, les interrogeait sur un certain nombre de sujets qui pouvaient sembler anodins. Mais finalement, on peut dire, sans se tromper, que Jean Monnet pratiquait là son propre sondage d'opinion. Il nous posait toujours des questions sur qu'est-ce que vous pensez de, à l'heure actuelle, pensez de ceci, cela. Donc il allait... à la campagne, comme dit l'autre, pour prendre les idées des paysans, voilà. Il parlait avec tout le monde, et à l'époque, on rencontrait Monnet dans le couloir, et il ouvrait la porte de la secrétaire de quelqu'un, et il disait, il est là, et le cas échéant, il pensait. C'est arrivé à ma femme plusieurs fois. C'est-à-dire, je sais qu'il avait d'excellentes relations avec son voisinage ici, mais je sais aussi qu'il pouvait téléphoner à Eisenhower, qu'il pouvait téléphoner à Adenauer, qu'il pouvait téléphoner à n'importe quel haut personnage, même avec De Gaulle, et qu'il avait une aisance absolument totale avec tout le monde, quel que soit le statut social. All documents had to be simple and understandable so everyone could read them. Over the years, dignitaries and leaders from across the world met with Monnet at Ougaret to discuss the future of Europe. La grande force de Monnet, c'était d'arriver à partir de situations complexes, d'en distiller l'essence et de trouver des solutions simples à ces situations complexes. Et comme on sait, c'est beaucoup plus compliqué de faire court que de faire long. Par exemple, une anecdote à nouveau, Jean Monnet faisait relire tous ses textes en premier par son chauffeur.
Et si ce dernier ne comprenait pas, évidemment, on faisait refaire le texte. Il pouvait y avoir jusqu'à 30 versions d'un document, jusqu'à ce qu'il soit vraiment synthétique et très facile à comprendre. Alors c'est très difficile de parler de Jean Monnet sans parler de Sylvia Monnet. C'était la personne à laquelle il revenait en permanence. Donc elle a vécu ici, elle était peintre, elle peignait ici, dans le salon, elle était cette espèce de constance qui était toujours là lorsqu'il revenait. Et puis c'était une sorte de sounding board, c'était quelqu'un sur qui il testait ses idées. Et il faut savoir qu'à cette époque-là, il était entouré d'hommes. Les femmes, c'était des secrétaires ou des traductrices. C'est-à-dire qu'il y avait des dames sans lesquelles ça n'aurait pas marché, tout simplement. Je crois que tous les agents qui ont travaillé avec Monnet ont eu l'impression de construire quelque chose. Et du coup, cette idée qu'il fallait construire des mécanismes qui n'étaient pas forcément des mécanismes mathématiques, elle était extrêmement inspirante pour les gens qui ont travaillé au plan. Et je pense que c'est cette idée-là qui est au cœur de la construction européenne. L'économie comme moyen de résoudre les conflits humains plus pacifiques que la guerre. Those close to Monet stated that shortly before his death, he had requested that the house should one day be dedicated to welcoming young people. The European Parliament worked to honor this request and create a space for education, connection, and discussion where visitors can deepen their historical knowledge and learn more about how the European Union works. The Jean Monnet House was bought in 1982 and soon transformed into a museum and an information center. On a connu Monsieur Monnet, et après, quand on a entendu parler que le Parlement allait reprendre les rênes de la maison Jean Monnet et puis qu'il y allait y avoir beaucoup de choses, c'était dit, enfin moi personnellement je me suis dit on va perdre Jean Monnet, donc on pourra plus y aller, donc ça sera vraiment quelque chose de très fermé. Et non, je m'aperçois justement au contraire que c'est très ouvert et tout sera tout va aller en s'améliorant comme avant mais sans lui. Voilà. Alors aujourd'hui, sur le site, il y a bien sûr le musée qui est ouvert tous les jours et qui reçoit environ 10 000 ou 12 000 visiteurs. Pour cela, on utilise la méthode de Jean Monnet, tout simplement. Parler, dialoguer, se comprendre, discuter, échanger. Nous, on accueille toutes sortes de jeunes, des jeunes sans emploi, des scolaires, des lycéens, des collégiens, des étudiants. Souvent, ils arrivent à la maison Jean Monnet en traînant les pieds. Voilà. On leur explique que Jean Monnet n'a pas eu son bac. Il est parti de l'école. Il a appris l'école de la vie. Donc ça, déjà, ça ouvre. Ils ouvrent des yeux comme ça, complètement étonnés. Et franchement, quand j'ai vu qu'il n'avait pas du tout fait d'études, enfin, il n'avait pas de diplôme, je me suis dit, mais waouh ! En fait, il a fait de grandes choses sans même faire des études. Et c'est ça qui m'a surtout impressionnée. Donc je pense aussi que, comme nous a dit son petit-fils tout à l'heure, qui marchait et qui parlait pas, je pense que c'était un homme qui était très introverti, mais qui devait avoir mille et une idées en tête. Par tout ce qu'il y a ici, quoi, c'est vraiment... c'est pas très moderne. Voilà, on ressent vraiment des choses très, très anciennes. Je trouve qu'il y a une façon de travailler qui est en réalité très contemporaine. Vous êtes à l'endroit où il a reçu je ne sais combien de personnes, ou est-ce que je ne sais combien de documents qui ont fait ce que notre histoire est aujourd'hui, et ça ne peut être qu'inspirant pour chacun d'entre nous, ici en tout cas aujourd'hui. The site has undergone several transformations since then, expanding its facilities so that the house becomes a public place of recollection and a venue of choice for those seeking to learn more about the way the European Union works and discover the environment in which one of the architects of today's Europe lived his life. Ougeret has also become the seat of the Jean Monnet Academy, which provides various training programs for the European Parliament staff. The house also hosts international academic conferences as part of the Jean Monnet seminars. Ici, nous recevons régulièrement des groupes dans le cadre de ce qu'on appelle le Jean Monnet Dialogue.
Et à ce titre-là, un des premiers groupes qu'on a reçus ici venait de l'Assemblée nationale, de la Rada, comme on l'appelle là-bas, ukrainienne. Il y avait des cris, il y avait des chaises qui volaient. Ça, c'est arrivé. Alors, à un moment donné, effectivement, il y a un des leaders politiques qui a souhaité partir de la conférence, ce qui faisait capoter tout l'événement. Et il me dit, j'ai besoin d'un taxi. Donc je dis, oui, bah écoutez, je vais essayer de faire de mon mieux. Donc je lui explique que, étant à la maison Jean Monnet, ici nous sommes à la campagne, et que ça va être difficile, dans l'heure qui suit, de lui trouver un taxi. Et grâce à ça, on a pu le convaincre. Ça lui a laissé un petit peu de temps, et ça l'a convaincu de retourner à la table des négociations. Le lieu devient à la fois, ça continue à être un lieu de mémoire, mais ça devient un lieu de rencontre, y compris entre les institutions. Par exemple, le 30 janvier 2020, les trois présidents de trois institutions européennes se retrouveront à la maison Jean Monnet pour discuter sur l'avenir de l'Europe. Over the last 40 years, the European Parliament turned the Jean Monnet House into a living historical site and a source of inspiration, inviting visitors to explore the past, taking what they learned to inspire them in the present and in the future. The Ujaret House is now preserved for future generations as a place of education, connection, and mediation, spreading Monet's core values of peace and solidarity with citizens across Europe. Non, je redirais simplement que pour moi, il est toujours dans mon cœur. Et Jean Monnet, si on me demandait quel est le plus grand de France, je dirais c'est lui. Je pourrais dire presque d'Europe, parce que quand même, c'est un grand monsieur. Et j'ai eu beaucoup de chance de le rencontrer. Je pense que c'est la personnalité qui m'a marqué le plus. Cette maison est vraiment spéciale pour moi parce qu'elle a une âme. Là, on a vraiment un visage, un son. Et donc l'histoire orale, c'est un vrai outil pédagogique, didactique, qui rend de très, très, très grands services. Ce que je retiens de son histoire, c'est qu'il y a deux types d'hommes. Il y a des hommes qui sont quelqu'un, être quelqu'un, et il y a des hommes qui font quelque chose pour ces personnes-là. C'est ce que j'ai retenu. Et j'ai le choix entre les deux, et je pense que je veux devenir quelqu'un et avoir autour de moi des gens comme Jean Monnet. Voilà, c'est vraiment ce que je veux faire. Voilà, c'est ce qui m'a inspiré aujourd'hui. Les grandes avancées dans ce monde et les grandes idées et tout ce qui fait le monde dans lequel on vit aujourd'hui, ça a commencé par des hommes comme Jean Monnet, des gens simples qui avaient des convictions forgées dans des endroits simples comme celui-ci, dans des discussions simples avec des gens qui n'avaient qu'un intérêt, qu'un objectif, c'était de faire un monde meilleur. Eh bien, c'est ça, je pense, la grande leçon d'une visite à Ujaret. It's a bit inspiring that we're actually somehow living in Jean Monnet's dream. And the irony is that if we don't want to wake up from this wonderful dream that we have, we need to wake up. And we need to sort of get re-inspired and remember that all of this didn't just happen. It took a long and hard work, and that, I don't know, we need to remember and we need to protect it and we need to defend it all the time. Et en étant ici, en me baladant dans le jardin, tout comme Jean Monnet le faisait d'ailleurs, j'ai une envie profonde de continuer cette construction européenne parce qu'elle est inachevée actuellement. C'est que, d'après son petit-fils qui est venu nous voir, apparemment c'est une personne qui avait un contact très simple avec les enfants. Et ça se ressent également par ses écrits. Il voulait vraiment que tout le monde puisse le comprendre. Et je pense que ça a été le meilleur lieu où je pourrais m'inspirer. Car avant tout, c'est un homme, mais un grand homme, qui faisait des choses, qui écrivait, qui donnait des idées. Et je pense que c'est sur cet homme-là que je dois m'inspirer. C'est sur cet homme-là, que je dois porter mon regard. Et je pense que c'est un peu dommage qu'il ne soit pas là aujourd'hui, parce qu'il nous aurait peut-être beaucoup aidé. Mais juste le fait de se balader, d'écouter son histoire, de regarder ses photos, c'est très inspirant, très très inspirant.
Et je pense que tout le monde ne peut être que reconnaissant de ce qu'il a fait aujourd'hui et de ce que l'Union européenne et nous défendons, la nouvelle génération.